I'm alive, she said. I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Hint in her smile, glint in her eye, a little look and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Le raid d'aventure, c'est un grand mot. Maintenant, on a tendance à dire plutôt adventure racing, voilà, qui est tout simplement, ou adventure race. Donc, c'est principalement un mode de déplacement qui va permettre de faire une itinérance courte ou longue, avec tous les moyens des sports de pleine nature qu'on peut rencontrer sur le territoire sur lequel on est. On va y trouver principalement trois activités: à pied, en VTT et sur l'eau. Puis après, suivant les environnements, on va pouvoir trouver des activités de corde, on va pouvoir trouver sur l'eau diverses et variées, du paddle, du kayak, du raft, on va pouvoir trouver en montagne du canyon, de la spéléo, des cordes, des rappels, des via ferrata, des via corda, voilà. Et après, à pied, on peut trouver tous les environnements, donc de plaine, de montagne, de glace, un petit peu, et puis éventuellement, on peut rajouter du cheval. L'idée, c'est de pratiquer toutes les activités de pleine nature qu'on peut trouver sur un territoire donné. Journée très particulière, une jeune association. En fait, c'est notre seconde édition du Raid Nature du Chazac. La première édition a très très bien marché, donc sur le succès de la première édition, on est passé à la marche supérieure, on va dire, avec ces championnats de France. Ça a été un peu compliqué parfois, mais en tout cas une belle journée. Surtout un raid qui est plein depuis plus d'un mois. Et puis surtout un super partenariat avec le comité départemental de co-orientation qui fait vraiment le boulot technique de fond. Et sans soutien du comité départemental et des collectivités locales ici, on aurait du mal à faire ce type d'épreuve. Alors c'est une journée très particulière et voilà, c'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui puisque c'était les premiers championnats de France des jeunes. Voilà, ça a été possible grâce au rapprochement entre la Fédération des raids multisports de nature et de la Fédération française de triathlon. Ils se sont rapprochés de nous, on s'est bien entendu, on travaille ensemble, je pense qu'on travaille bien dans un bon climat d'entente, cordial, franchement, avec une volonté manifeste de vouloir prendre en compte l'intérêt de chacun. Donc voilà, du bon boulot et je pense que ça portera ses fruits. Il y a un rapprochement qui est en train d'être effectué entre ces deux fédérations pour officialiser l'adventure race, comme on dit maintenant, d'une manière, on va dire, officielle et reconnue par le ministère des Sports. Voilà. Donc c'est un grand moment, puisque c'est vraiment l'officialisation aujourd'hui de cette réunion entre ces deux fédérations. Alors l'objectif commun, c'est le développement de la pratique. Avant tout, le développement de la pratique. On est là que pour développer la pratique. Le but d'une fédération, c'est développer la pratique, plus de licenciés certainement, mais d'abord que la pratique se développe. Bien entendu, pour une fédération olympique, c'est des médailles aux Jeux olympiques, mais des médailles aussi donc tout simplement pour les autres ou sur les championnats du monde. Mais avant tout, qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent avoir accès à cette pratique et que cette pratique puisse se vulgariser. Ah oui, c'est plein d'espoir et puis je crois qu'aujourd'hui l'activité elle se structure, elle va rentrer dans une fédération qui est une belle fédération, la Fédération française de triathlon, une fédération olympique qui progresse chaque année, qui a des cadres techniques qui sont compétents. Maintenant, l'enjeu c'est d'arriver à maintenir l'état d'esprit du raid multisport dans une fédé comme celle-ci. Et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même bien parti. En tout cas, les administrateurs de la fédé de raid multisport font bien ce travail pour
maintenir l'âme du RAID au sein de ce futur fédé de triathlon. Dans le cadre de la politique sportive du département, les sports nature, c'est quelque chose d'important. Et les raids multi-activités sont quelque chose aussi dont on est friand, parce que d'abord, la spécificité de notre territoire le permet, hein, donc avec les capacités aquatiques, des rivières magnifiques, des paysages sublimes, propices, je dirais, à la randonnée, à l'activité d'escalade et toutes les activités que l'on peut imaginer dans ces raids multi-activités. Je crois qu'on est véritablement un terreau propice à ces activités et on va essayer, je dirais, d'accueillir d'autres compétitions, mais on en a déjà régulièrement sur l'ensemble de notre département et on est fiers de les accompagner.